Alors, bienvenue pour une nouvelle vidéo. NFS, donc déteste FS. Voilà. 8ème pilote de la liste Kong Avatar. Ouais, c'était le 9ème que j'avais battu. Ouais. Tu crois que. Quel est son vrai visage? Celui sur sa poitrine ou celui sur sa tête? Lui de la poitrine. La mignonne là, c'est Joelz, fan de gros cylindres et de puissance, sans lance. Elle n'a pas mal de bornes sous le comptard, au comptard, bon c'est la même chose. Ceux qui la prennent pour une débutante en ont souvent pour leurs frais. Elle a du répondant sous la pédalard de droite. Pédale. Waouh, la Mustang. Mustang, en plus elle a son prénom sous le TKR, t'as vu? Jade. Ouais, elle s'appelle Jade. Jade Barrett. Allez, donc c'est parti, 6-7 à gagner, c'est ça? On enregistre entre 30 et 40 minutes, alors c'est con. Hein. Mais bon, là, il y aura des cutards. Hein. Enfin, il y aura des cutards. Mais que je dis, il y aura, mais de toute façon, là, vous voyez la vidéo, donc ça a déjà été cuté. Oui. Voilà. Et bien sûr, tous les cuts, tout le montage, je reviens à Grivortex. Bah du coup en fait je t'ai truandé, on peut dire ça comme ça, parce que moi Luigi's Mansion est court. Et du coup toi oui. tu as presque... Combien peut y avoir d'épisodes en vrai? Je sais pas. Vraiment on a aucune idée de quel épisode on est là. On sait pas si on est au 10ème, au 20ème, on n'en sait rien. Je pense que là on est dans les 10. On doit être dans la dizaine, ouais. Mais on a aucune idée si on est au 12, au 18, voilà quoi. Manette cursed là. Putain, manette cursed. Des fois j'ai envie vraiment de la prendre et d'être éclater là, de ce type de... Bah après tu peux plus jouer donc... Bah oui voilà, je pourrais plus enregistrer. Après c'est moi qui fais le let's play tout seul. Les cons c'est qu'à chaque fois que tu joues, il y a à nouveau le débat sur les manettes. Bah oui, on l'évoquera à chaque fois je pense dans le let's play, ça sera l'habitude de moi quand je joue. Ouais. Et moi, à chaque épisode, je parle des freeze et du lag. Oh putain, je vais prendre le marre. Diamson. Ouais, ça va. Oh, c'était déjà arrivé. Oui. On a pas le temps de niaiser là. On a plus d'un million de primes. 1 180 000, j'ai vu. Bah, à moins que ce soit l'objectif. On a autant que ça. Oh, l'Audi TT, elle est bien tunée là. Et allez Porsche Cayman. Putain. Par contre il y a un modèle de Porsche, je sais pas si on dit Porsche Boxer ou Boxster, j'en ai aucune idée. Ouais c'est la Porsche... Il y en a ils appellent ça la Porsche du pauvre, parce que c'est la moins chère. Ah bon? Elle est moins chère que la Cayman? Ouais, apparemment, peut-être les anciens modèles. Mais je sais pas, elles font 340 chevaux quand même, donc... Porsche du pauvre ça existe pas hein. On peut faire un Clio E6, c'est peut-être mieux. Le V6 mais sans manette cursed quoi. D'ailleurs c'est toujours la Cayman, mais en fait les deux se ressemblent, mais c'est toujours la Cayman qui est dans les jeux et jamais la Boxster. Attends je vais vérifier comment on dit. Les gars, ouais c'est les Boxster. Les Porsche Boxster. Polo là dans la voiture là, Porsche il prend la grosse tétard avec son fils. Il l'emmène à la crèche là. Putain mais... À la division de patrouille, je viens de recevoir un appel d'une radio qui signale un groupe de fous du volant. Un groupe de fous du volant. Les fous du volant. Tu regardais les fous du volant quand t'étais gamin? Non, je connais Nar mais je connais pas. Pourquoi j'ai vu Nar? C'est très sympa. J'avais le jeu sur Nintendo DS, CS. Je te jure, tu devais souffler comme un taré dans la DS. Là, ça. Je sais pas quoi. Je sais pas, c'est con, genre. Tu dois souffler comme un taré dans la DS et franchement, ouais, c'est. T'es chauffe du dos! C'est pas bon pour la santé. T'es chauffe du dos? Mais oui!
tu verras. Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Fortnite Battle Royale, alors une méga collab. Mais nique ta mère, Polo, putain. Polo. Putain, j'ai de ma cursed là, y'a des chinois vénéneux qui me foncent dedans. Ah, c'est bon là. Lol. Toujours la même musique. Je crois qu'elle a changé, elle varie un peu les musiques, mais à force, tu vois. Oui. La river. Tu vas pouvoir faire les défis là, non? Bah oui, je continue les cursed parce que là ils sont un peu difficiles. Bah ça va monter le niveau. Wouah! Il est marre. Il est marre, ouais. Les flics sont français dans ce jeu. À moins qu'ils soient néerlandais, c'est le même drapeau, donc bon, c'est les mêmes couleurs. Pas français. C'est pareil, je crois, le. C'est pareil, de toute manière, le drapeau de... d'Angleterre, enfin de Royaume-Uni, et. Et c'est les mêmes couleurs aussi. Mais y a du monde, là, les États-Unis aussi, l'Australie aussi. Ouais, tu dis qu'il a, que c'était des noobs, bah tu vois, ils sont des terres. Bon, ça va pas dans ouais, cool. C'est taré, ils tuent des personnes aussi, ils sont même pas fichus de les éviter. Je sais pas. Les flics qui tuent des civils. Ouais, ils arrivent et ces gogolards, ils foncent comme des gogoles sur la route. Voilà, ça va être réglé, ils vont être zoomés dans pas longtemps là. Ils sont trop cons là. Il dit qu'il va voir s'il est pas derrière. Je suis pas derrière lui alors que j'étais devant eux. Ouais. Bump. Bon, elle se finit la poursuite là ou pas? Loul, c'est très con ça. On est pas en réel aujourd'hui, c'est pas lui. Il est en 2D le volant. Lol. Salut, c'est moi. J'ai su que ce vieux rock veillait sur toi. Je me demande. Tu sais, je me demande bien pourquoi. Si tu veux mon avis. C'est un peu bizarre tout ça. Mais bon, après tout, je suis peut-être mal placé pour... Putain, mais arrête de faire des pauses d'une seconde ou deux secondes entre chaque mot, bordel. Sus. Je dirais qu'il voulait augmenter la durée de vie du jeu et pour seule solution qu'il a eue, c'est de mettre une pause de deux secondes entre chaque mot. Faudrait peut-être aller au Burger King une fois qu'on a fini le jeu pour fêter ça. What? Y'a Roptop! Attends, c'est le drapeau de la Suède! Oui, y'a Roptop. Le drapeau de la Suède, c'est bien bleu avec la croix jaune. Oui, c'est ça. Bah, c'est lui, là, regarde, y'a Roptop, là. Ah oui! Oh, le cool. Suite. Avant qu'il soit habitué. Ayer, merci beaucoup d'avoir... Patrick. Aya! Les dernières. Prends la grosse tétard. Ouais, la Suède sur FS. Il y a les polos, c'est ça. C'est ça. Allez, Kong. Flar, il s'appelle. Renom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Ah, mais ah non, mais il s'appelle Anthony, en fait, le suédois. Cool. J'imagine, ça fait un Roptop. Anthony Roptop. C'est peut-être son frère. Il y en a un qui s'appelle Sky, Sky avec un E, parce que c'est le Sky mais de sexe féminin, le ciel. Wow, putain. C'est chiant ça, la voiture elle se déporte un grand coup, c'est chiant. Vraiment. Hein. Regarde-moi. Loul. C'est vraiment très chiant, mais ça je prends l'habitude d'avoir ce truc là de merde. Hein. Virage c'est rare. Bon, tu l'as pris à 220 putain. Ouais, ils arrivent à rester au contact, hein, à peu près. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, le flic! Mais qu'est-ce qu'il fout? Il est mort. Il est décédé, hein. Ça a pas fait l'espèce d'animation, tu sais, quand il y a la folie. Ce qui est con, c'est que t'as un châssis bélier, toi, en fait. Ah, c'est ça? La voiture, hein, y a pas ça. Bah, oui, non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, tu lui as foncé dedans, c'est lui qui est recte et pas toi, quoi. Ouais. T'as un châssis bélier. Ah, à ce niveau-là, ouais, dans Most Wanted 2012, c'est ça. Hein. Tech Done instantané. Wouah! Elle va partir en couille, la bagnole. Moi, je pars.
Les bots seront jamais codés à passer par ce raccourci là. J'ai jamais vu passer ici. Ils sont trop cons, ils vont se planter. Ils ont eu la flemme de les programmer. Ah bah lol. Et juste avant la ligne d'arrivée, il va se... Gars, ouais. Il est chauve. Mais fils de p... Aya, vite. Fils de p... Putain, il est sérieux là, freiner comme ça. Normalement, il aurait dû voler, il aurait pas dû faire ça là. Il y a du sel. Pourquoi il parle de campus universitaire? Regarde, je roule là, regarde, je mets un coup de joystick. Ah oui, ouais. Loul. Ah ouais, le joystick il revient pas droit quoi. Il revient pas droit en fait. A gauche ça va, mais c'est dès que je tourne à droite en fait. Allez, on fait les contrôles à monte maintenant. En plus, t'imagines les types qui sont au niveau des péages là. Ouais. Alors en fait, ils sont dans les petits bâtiments. Du coup, imagine quand à chaque fois que tu défonces un petit bâtiment comme ça, il y a le mec à l'intérieur qui décède. Ouais. Bah espérons qu'il est pas dedans à ce moment-là, qu'il y a personne. Il était tranquille en train de boire son café, puis il entend. J'adore. Et là, on commence à connaître la map. Enfin, moi, je la connais pas, mais je reconnais les endroits, ouais, tu vois. Il y a certains endroits que je reconnais, quoi. Ici, je reconnais, tu vois, le pont, là. Bah, il y a deux autoutoroutes dans le jeu. T'as celle-là, là, dans la forêt, et t'as l'autoroute de la ville. L'autoroute de la ville, on n'y a pas été encore. Je sais pas si tu te souviens, mais bon, on va en avoir beaucoup des courses là-bas aussi. On sait qu'il y aurait qu'une seule autoroute. Hein? On sait qu'il y avait qu'une seule autoroute. Non, il y en a deux. Elles sont divisées en deux. C'est, ça fait des cercles, en fait, ça fait des anneaux. Oui. Bah oui, évidemment. La map, au bout d'un moment, faut qu'elle ait une limite quoi. Putain, on dirait que je suis bourré là avec le joystick Gogol. En fait, t'es toujours obligé de garder bien le doigt sur le joystick et de corriger quoi. Je mets un gros coup sur la gauche pour que je suis sûr qu'il soit droit. Quand je. Ça doit être chiant. J'ai l'habitude. C'est un nouveau défi, Arlène. Le défi, c'est compléter le jeu en entier comme ça, c'est ça? Pour moi, ouais. Et toi, c'est de gagner avec les lags. Après, c'est vrai que faut dire que quand on joue, les lags ils se ressentent beaucoup plus que quand on regarde, tu vois. Ouais, parce que t'es concentré sur les frames et tout. Ouais, mais genre, vu que tu joues, tu ressens vraiment l'impact des frames sur la conduite, tu vois. Je vais me taper le mur, je le sens. Non, c'est bon. Le pont. Imagine que si tu casses ce pont, il y a peut-être des SDF qui n'auront plus de maison. Donc faut laisser le pont indemne. Il n'y a pas d'SDF dans le jeu, il n'y a pas de piétons. Les SDF, c'est ceux qui perdent les courses. C'est, en fait, les maisons, c'est les voitures, quoi. Ouais. Après, tu me diras, il n'y a aucun intérêt à sortir de la voiture, en vrai. Donc bon, qu'est-ce qu'il irait faire à pied? Voilà, tu te ferais chier. Voilà, ça sert à rien de sortir de la voiture. Lol. Oh putain, l'arrivée. Bon, qu'est-ce qu'il va dire encore, lui? Hein? Ah, mais oui, c'est là que je me souviens que, à partir d'un certain niveau dans le jeu, les bots, tu sais, les bots là dans les courses, ils vont être casse-couilles, ils vont te pousser et tout. Et je crois que c'est véridique. Ah, du coup, là, on va pas pouvoir savoir parce que je vais refaire un autre contre la monte. Je pense que je vais faire 2-3 défis après. Hein. Encore cette musique, elle est une fois à chaque épisode en fait. Ouais. Allez, en fait, on peut dire que ta voiture a un genre un problème de parallélisme. Je touche plus la manette. Elle a un problème de parallélisme, ta voiture, en fait. Du coup, oui. Et on a beau la réparer, ça ne marchera jamais. Ouais. Allez, on va faire les départs. Alors, t'es 18 voitures de police, lol. 18, mais putain. Combien? Ce qui est con, c'est qu'à la vidéo suivante, moi, je serai au niveau 5, c'est ça, donc ce sera encore pire. Non, il n'y aura pas le niveau 5 maintenant. Bah, c'est simple, hein. Gros niveau, faut rester sur l'autoroute, hein. T'as pas le choix. Sinon, au pire des cas, fais-le en plusieurs poursuites, en fait. Pour éviter de monter au niveau 4. Non, mais bon, t'inquiète pas, on va faire comme ça tu verras à quoi ressemble le niveau 4 si on y arrive. Bah, normalement, là l'hélicoptère devrait venir parce qu'elle a parlé de l'hélicoptère. Donc, à partir de là, je crois que le niveau 4 est débloqué. Donc, là, t'as vu, on est à Rockport. Vous ne pouvez pas échapper, l'autre il fonce dans une voiture. Là, l'autoroute est là-bas. Là. Je crois qu'elle est le même
moi, attends, ouais. Non, il est pas là. Ouais, tu peux pas y aller là, c'est au-dessus, on s'est en dessous. Ouais. On va passer par ailleurs. Singular, c'est le truc des téléphones, ça. Oh. Ouais, comme pompier. Il y avait Jadot et un camion de pompier, ouais. L'autoroute est là, je la vois sur la carte. Ce qui est con dans GTA V, ça me fait penser. Il y a les pompiers, tout ça, mais aussi les ambulanciers quand tu tues quelqu'un. Il y a les ambulanciers qui arrivent, et en fait, ils regardent le corps, et puis ensuite, ils laissent le corps là, ils s'en vont. C'est débile, hein. T'as déjà joué à Need for Speed Undercover? J'ai jamais joué. Parce que il y a la version PS2, la version PS3. La version PS3, elle a rien à voir avec la version PS2. Parce que oui, oui, la version oui, PS2, si tu veux, il y a des copy-paste de cette map. Il est de 2008, ouais. Ouais, si tu veux un fun fact, tu vois ce pont là, cette espèce de ouais. Passage. Et bah, ben, ouais. Dans Undercover sur PS2, bah, t'as le même passage dans un endroit de la vie. C'est un clin d'œil. Mm. Tu avais joué du coup sur PS2 ou PS3? J'avais joué sur les deux, moi. Et c'était bien, c'était le mieux sur quelle console? Bah, c'est pas pareil parce que PS2, il y avait des trucs qui étaient bien, tu pouvais modifier autant que tu veux la voiture. Avec PS3, tu pouvais moins modifier, je crois, mais par contre, c'était mieux fait. Ouais. Évidemment. La République. Si la musique elle a changé là. Heureusement que c'est pas moi qui fait la vidéo parce que mon chat il me harcèle. Vous me harcelez. Où c'est vous? Vous n'êtes pas des gentils. Non, je me gratte le nard. En pleine poursuite, tu grattes. Putain le connard. Connard de camion là. Et eux, il est comme des cons, au lieu de contourner le camion, ils essaient de passer en dessous. Mon débile, il est. Non. Il fait quoi lui là-bas là? En fait, il s'attendait, il avait tout prévu, il attendait que le camion te recte. Loul, t'es à l'envers. Elle va se retourner la voiture quand même, ouais, voilà. Niveau 4. Niveau supérieur. Oh putain, niveau 4, il monte, regarde, niveau 3, il est en train de monter la jauge. Et au niveau 3 là? Ouais. Code 3 et après ça passe en code 6. Ah, avec les Pontiac. Ouais, et là il y a les Pontiac, mais après ça va en chier là. Oh non, venez! Non, revenez! Y'a pas de flics devant? Bah mais non, Loul. Ils sont tous là-bas. Ils ont tous disparu ou quoi? Ils étaient tous autour de moi! Mais Loul, mais c'est con de finir la poursuite comme ça! Là-bas, attends, y'a un flic là. J'ai vu une flèche. Ouais, bah il a disparu la flèche. Là. Elle est où, à droite ou à gauche? Putain, j'espère que je suis sur la bonne route. Hein. Ah putain! Il est sur l'autre. Oui, il y avait putain. La flèche, elle est apparue, elle a disparu. Mais c'est non. Putain, tu cherches les flics, c'est abusé! Tu es obligé de chercher les flics dans le jeu, quoi! C'est con! Normalement, pour s'échapper, c'est galère, et là, y a personne. Bah attends, il m'a trouvé, puis il me revoit pas! Mais il est où? Bah. Loul, bon au moins ça te permet de... ça te fait un sursis. What? Il a disparu? Ouais, il y avait un flic. Ah, il est là-bas. Ok. Le recte pas, hein. Ouais. Ah, il faut que tu roules sur des herses aussi? Faut éviter des herses. Ah ok, les éviter. Ah ouais. Mais il fait quoi? Ah, il y a un barrage devant. Attends, il est sur la petite route, là. Ouais. Il est en sortie d'autoroute, fais chier. N'oublie pas de mettre le ralenteur. Comme d'hab. Ouah ouah. Oh my god. Oh ce dérapage. C'était beau, celui-là j'en épingle. Et Loul il se cogne contre le mur, il arrive pas, il essaie de traverser le mur en fait. Plutôt que de contourner le mur. Il est là. Mais il est gogol. Mais il est gogol. Le barrage il a disparu en fait là, ouais, non? Ils sont partis. Mais ils sont pas partis, c'est pas possible. Il y a 40 000 de points là. Ouais, il y en a d'autres. Ouais, il y a les gros SUV là, ils sont crachés là, comme hein. Des merdes. Imagine, tu seras en passager avec moi et tu ferais des screamers gros dents alors qu'on est en pleine poursuite. Mais non, mais. Loul. Mais aussi, tu la triques là. Mais c'est pas ma faute s'il est con aussi là. Qui attendait pas, il te suit. Et Loul, du coup, ça repart à 2 minutes pour le renfort. Ouais. Ah, il y a un autre barrage. Je lâche, c'est bien.
Ah, t'as pris le moteur là. Je voulais foncer dans les deux en même temps. J'ai réussi à me voir. Même lui, il fonce dans son barrage, c'est ça qui est con. Et puis il s'est tué, hein. Ah, il s'est suicidé. Du coup, il te reste juste le défi des déserts, c'est de ouais. Frôler des voitures, non? Sinon, je peux faire les radars, sinon. Et tu l'as pas frôlé la voiture derrière toi, je crois. Ah putain, vas-y, camion de ses morts là. Allez, viens. Bah, ça compte, non? Je sais pas. Ça pas compté, je crois. Ouais. Si, alors, je l'avais déjà dû, j'avais déjà dû le frôler. L'aile. Il recule même pas, il reste planté là. Ah, mais il a pas besoin de reculer autant. Mais Loul, mais non, mais ça c'est un sketch. Oh là. Non, non, pas deux, pas trois fois quand même. Pas trois fois quand même, ouais. D'ailleurs, petite anecdote encore, et ce passage est copié-collé dans la map de Undercover sur Facebook. Je sais pas si c'est du clin d'œil ou des trucs flemmards en fait. Mais Loul. En fait, le mec qui regarde tellement dans ses rétros qu'il regarde pas devant quoi. Je pense que c'est des trucs. Non, il est parti de l'autre côté. Attends, mais je sais pas. Tu sais ce qui est con, c'est que j'ai vu dans les commentaires de vidéo YouTube, je crois que c'est sur ce jeu, ils disaient qu'ils étaient impressionnés par l'intelligence de l'IA des flics. Bah putain. Par contre, c'est pas une bonne nouvelle parce que je suis plus sur l'autoroute là. Ah bah si, en fait. Je sais pas si c'est sur ce jeu que j'ai vu ça, mais Loul, c'est ça, c'est pas vrai, hein. Ouais, non, un peu débile, hein. Ils sont gogoles, là. Ouais, okay, là, ouais, c'est bon, tu t'es fait un harem de flics, là. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est juste te draguer. Ils veulent... En fait, ils te poursuivent parce qu'ils veulent un rancard avec toi. Et toi, tu t'enfuis. En fait, c'est des Magali 200 kilos qui te poursuivent dans les voitures de flics. Tu veux pas sortir avec un harem de Magali 200 kilos? Non. Je n'ai rien contre les Magali, c'est juste un mème. Sus. Ça fait 10 minutes qu'est la poursuite là. Je crois que la plus qu'on a faite c'est 20-25 minutes, non? Celle de l'autre fois là. Toi t'avais duré longtemps à un moment. Ouais. Bon, pour les airs ça va être compliqué quand même, hein. Oh, tu t'échappes là, non? Ouah. Ok, heurte tes voitures réussies. On fait quoi, on s'échappe? Non, il reste les airs. Ouais, faut attendre. Il faut que tu les fasses, dans tous les cas tu vas pas te faire chier à remonter au niveau 4, attendre 3 plombes. Ah bah non, quand la voiture voilà. Elle cherchait niveau 4, la voiture est toujours au niveau 4. Daniel, hein. Il faut monter au niveau 4, on est obligé pour les Hertz. Allez, t'as vu. Ah oui, heureusement. Attends, 2 minutes, lol. Non, on n'arrive pas à monter au niveau 4, hein. Hein. Pourtant t'es pas loin, la jauge elle est proche. Ah ouais, ça va pas tarder je pense. Qui est venu devant moi, c'est pas... La poursuite est à 132 000 là, on dirait. Ouais. Le niveau 4 va pas tarder à venir. Hein. Ouais, c'est très, très proche là. Allez, bah, Meloul, mais on l'a vu venir ça par contre. Je suis là. Mais il te voit là, pourquoi c'est hors de portée? Il te voit. Mais Loul, il fait comme si t'avais pas vu. Non mais c'est débile. En fait, sous prétexte que t'es pas sur la même route, ben en fait il te voit plus alors que c'était devant lui. C'est des putains de barrières de merde. Niveau 4, ça y est. Ouais, mais le problème c'est que niveau 4, mais Ah, y'a quoi là-haut? Oh, l'hélico. Y'a spawn. Vas-y, regarde, je veux le voir l'hélico. On le voit pas là. Faut pas regarder, oh putain. Waouh! Là, t'as vu, ils sont un peu plus gros. Hein. Et pour semer l'hélico, comment tu fais? Je suis un homme en colère! Waouh! Ouais, faut aller dans un tunnel. Bouge! Si t'es pas dans un tunnel, c'est impossible de le semer. Ouais. Faut pas trop regarder, faut. Ouais, la caméra cinématique. Et l'hélico, il te tire pas dessus, lol. Non, faut pas abuser quand même. Ouais, faut pas abuser, ouais. Ils sont pas tarés comme dans GTA V. Non. Voilà,
Alors là, il commence à avoir les airs, ça peut faire gaffe avec les airs. Dans GTA 5, les flics, ils sont corrompus, c'est pas possible. Ouais. On est tarés. Gros, tu les regardes, tu te mets devant eux, tu les regardes, ils sortent leur flingue, ils te tirent dessus. Ils te tuent. Ils prennent la grosse tétard, oh putain. Je prends pas le risque de taper les bagnoles parce que ça peut te dévier sur les airs. Voilà, là, faut les semer maintenant. Ça y est, ouais, tu peux les semer, ouais. Non, il s'est trompé de route. Il est derrière. Enfin, parce que l'hélico il peut venir à tout moment aussi. Ça va prendre son temps, mais ça va, ça devrait le faire. Ouais. Oh, Kitou, arrête de me harceler là. Où tu vas te faire opérer. Ah oui, voilà, en fait le partage est passé en mosaïque. C'est ça le truc d'art que je te disais que c'était pixelisé. La mosaïque. Tu vois ce que c'est? C'est pixel. Là, une mosaïque, tu vois ce que c'est ou pas? C'est quand t'affiches les photos là. Non? Non, c'est. Enfin. Je vais te montrer une photo si tu veux, mais lol. Je n'y crois pas. Je pensais pas que ça se passait comme ça, reporte. Ces pilotes sont très organisés. J'ai sillonné les rues de la ville pendant un moment sans me douter de ce qui s'y passait. Va voir un peu là-bas pour te rendre compte par toi-même. Je te rappelle plus tard. Tartare. Du Joël. Coup. Attends, y en a une autre. T'es qu'un petit PD. Une victoire face à elle et tu seras numéro 8 de la liste noire. Allez, bon bah voilà. Portez-vous bien, c'est ça. Merci, bah ouais, et puis bah portez-vous bien. Hein. Voilà. Portez-vous bien, amusez-vous bien. C'est...